Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Mais moi, je vous ai choisi. Je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Et ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Frères et sœurs et amis des ondes, nous saluons dans le nom de Jésus-Christ. Nous remercions tout auditeur qui a posé des questions. Et aujourd'hui, nous venons pour nous présenter un nouveau numéro, Évangile et Société. Et aujourd'hui, nous avons honneur pour nous capables d'avoir Frère Auguste qui a facilité nos communications. Et tout l'autre membre de l'équipe là qui, de part et d'autre, pour faciliter la communication pour nous. Donc, nous avons comme invité aujourd'hui, un habitué de la maison. Il s'agit de notre bien-aimé frère, le professeur Esaïe Granville. Professeur Esaïe Granville, il a une maîtrise en évangélisation, il a une licence en théologie. Et professeur Esaïe Granville, il est responsable de formation au niveau de la CEBAMI et Connexion des Églises Baptistes Haïtiennes pour la Mission Intégrale. Et lycée doyen pédagogique de la FATEMI, la Faculté de théologie pour la Mission Intégrale de l'Église. Et il est marié et père de 3 enfants. Et aujourd'hui, il est venu pour présenter un nouveau numéro. Avant nous bailler sujet, nous avons traité aujourd'hui à Frère Isaïe. Nous avons dit comment vous êtes, comment famille vous êtes et comment ministère vous marché et bien aimé frère. Nous saluons Pasteur Jonathan et nous saluons Madame Mou qui est ensemble avec vous. Merci. Nous saluons Osni. Merci. Nous avons dit que grâce à Dieu, nous sommes très bien. Et famille les protéger. Le ministère là, nous gagnons bon Dieu dans le bac là. Donc nous n'avons pas gagné pour nous faire rien. Malgré vents et marées, nous profiter occasion ça pour nous saluer tout un auditeur auditrice Radio Sentinelle en particulier toute l'autre radio qui relayait émission ça qui c'est Évangile et Société et nous toujours mettons un petit temps à part pour nous saluer frère Auguste qui a fait manœuvre technique yo et plus particulièrement docteur Osner Fevri qui mettait connaissance li mettait avoir li et savoir au service de la communauté mondiale en particulier communauté haïtienne dans ça qui gen rapport à propagation l'évangile là parce que quel que soit Jean Saïe pasteur Jonathan nous devons mettre nous comme un instrument qui est disponible pour bon Dieu capable d'utiliser nous autant convenable. Même Jean nous gagne un psalmiste, James Alcindor, qui chante et dit « Fais-moi un bon vaisseau, un vaisseau qui est propre » parce que bon Dieu a besoin d'un vaisseau qui est propre pour l'utiliser. Amen. Merci pour belle rallée ça au fait au niveau introduction. Et nous gagnons une thématique et professeur Esaïe Granville que nous avons le privilège pour nous partager avec auditoire Radio Sentinelle, Radio Logos dans l'Ouest, Radio 80EH dans au Cap Haïtien, Radio Vision Globale dans Mirbalet, Radio Télé Quotidien FM dans Inch, département du Centre, au Plateau et Radio Louange de Trou du Nord, Radio Wana Vision de Wanamet, Radio Espérance de Atlanta, Georgia. Et nous avons un privilège et pour nous capables et il y a tout auditoire ça avec nous et radio sur le rocher du côté de Montréal, Canada qui connecté émission Évangile et Société. Dans moment ça, nos thématiques qu'on a traité pour auditoire la jodia qui a passé chaque vendredi 6h du matin, 2h de l'après-midi et 10h du soir. C'est la fin des temps et c'est le sujet ça que nous voulons traiter matin. Le symbolisme du chiffre 7, je veux dire dans la Bible.
Mais avant nous rentrer dans le sujet, ça, frère Isaïe, pour dire comment te faire inspirer pour venir avec une telle thématique, livre Apocalypse, le dernier livre dans la Bible, le dernier livre qui est placé dans le Nouveau Testament. Et livre Apocalypse, en pile moun lè ap li, li yo di yo pa ka comprendre livre ça. Et li gen pile mou ki ba yo ke sauté, qui parle de bêtes, qui parle de dragons, qui parle de bêtes à tête à sept têtes. Donc yo vraiment gen problème. Et est-ce que te ka ban nou yon idée jodi a pour qui ça pour râler thématique là dans livre Apocalypse là pour nous parler de la fin des temps et jodi a. Pasteur Jonathan, nous toujours dit depuis gagner commencement faut gagner fin. Donc amen, si gen Genèse, si gen Genèse qui c'est livre, est-ce qu'on comprend commencement faut gagner Apocalypse qui c'est livre de la consommation de toutes choses. Amen. Amen. Puisque Apocalypse li c'est livre consommation toutes choses, Pasteur Jonathan, li bon pour nous connaître dans quel contexte livre ça il était écrit. D'accord, professeur Isaïe. Très bien. Contexte non vraiment difficile parce que li écrit par l'apôtre Jean. Mais nous dit que apôtre Jean, ce qui est litéyé, c'est oui. Disciple Jésus te remé en pile là. Amen. Jésus te tellement remé, monsieur te condormi sous poitrine Jésus. Amen. Gen deux nan disciple Christio qui te fait yo remarquer yo. C'est Jean avec Pierre. Pourquoi Jean c'était le plus jeune des apôtres? Jean non seulement le plus jeune dans apôtre yo, mais c'est lui-même tout naturellement Jésus te pire main. M'pa dit Christ. M'pa dit Christ, moi dit Jésus. J'avais dit m'a parlé de monde dans relation monde avec monde, Jésus te plus main Jean. Yes. Ou imaginez pasteur Jonathan Jean ça que Jésus te remé en pile là lorsque Jésus fin mouri Jésus ressuscité lui passé 40 jours sous terre lui monté dans ciel lui bail dernier grande commission hein et puis connait c'est Jean ça Jésus te chouchouté a yo pral voyer dans l'île de Patmos. Lui-même li pral exilé. Côté gagne serpent sauvage. Pour tuer. Comment ça t'est? Yes. Auditeur, auditrice, Radio Sentinelle et toute l'autre radio qui relayait émission Évangile et Société. Parce que Évangile et Société lui prend une dimension internationale et nationale parce que nous gagnons au moins deux stations de radio internationales là qui relayent. Très bien. Qu'est-ce qu'on a besoin qu'on ait sous Jean? Jean il y a trois facettes. Premièrement, il était évangéliste. Les ou abordé dans l'évangile de Jean. C'est lui qui écrit l'évangile de Jean. Jean tout, il était apôtre. Jean était apôtre. Non, 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean. Okay. Et Jean te prophète dans le livre Apocalypse. Ok. Pasteur Jonathan, auditeur, auditrice, nous dit que Jean, c'est seul disciple Christ qui est mouru en mort naturelle. Il était capable de passer comme des martyrs, même Jean-Pierre. Yo cloué li même yo pral cloué li connaissait cloué yo pral cloué li dit moi pas dim pour yo cloué même Jean avec mettre là nous mettre cloué tête en bas. Tout monde qui étudie médecine en particulier yon neurologue li connaît qui désordre qui fait dans cerveau Pierre parce que sans mêler elle se comprend avec cerveau à monsieur tête en bas. Ouais, monsieur tête en bas pasteur Jonathan. Oui. Ah mais connait qui ça qui peut le passer. Jean. Yo gagné deux empereurs romains, yon rele Trajan, l'autre la rele Domitien. Ah mais monsieur rele Jean, yo dit Jean comme ça. Nous tendez gagné
yon nèg ki ap vini, y ap remèt li tout pouvoir. Parce que dans Ésaïe chapitre 9 verset 5, il dit un enfant nous est donné, pas vrai? Un enfant nous est né, un fils nous est donné. On l'appellera admirable, Père éternel, prince de paix, et la domination reposera sur son épaule. Parce que l'on besoin de grade yon moun, c'est sous épaule li pour garder. Wow. C'est sous épaule moun nan pour grade moun nan. Et ça fait tout c'est l'ouverture. Monsieur te dit français yon comme ça, mes épaulettes, je les ai gagnées sur les champs de bataille. Ça veut dire que autorité a tombé sous épaule Jésus-Christ. Et bien, qu'on y a, Jean dit yo, bien sûr, même Jean nous, même je dis à bon Dieu, bah, nous, on petit temps pour nous diriger. Dans le fin temps, il pral remettre autorité à nèg sa qui vient pour venir. Monsieur yo dit Jean comme ça, comment ça possible? Qui démonstration ou kap ba nou. Amen kounyen, Jean di yo, gen de situation rive la dan Pasteur Jonathan, Docteur Edith, ou pap jwenn moun pou pran en démonstration, et tetou ou pral pran en démonstration. Jean pral pran tèt li, ofri tèt li kom kobay. Mse di, pote yon coup poison ban mwen, ma bwèl nan non nèg sa, et puis wap wè anyen pap rivim. Pote yon coup poison ban mwen, ma bwèl nan non nèg sa, et puis anyen pap rivim. Alléluia, alléluia. Effectivement, mse yo, pote coup poison, men yo pa vle pou Jean al bwèl, pou Jean mouri, pour ne pas faire responsable la mort prophète, la mort apôtre. Mais à partir de ce moment, il y a un prisonnier qui était condamné à mort. Il a cherché prisonnier, il a mené le bail. Il a présenté le devant Jean. Il a bail prisonnier à coup poison, prisonnier à bois poison. Pendant prisonnier a fin fait dernier gorgé un cadavre li pral saute tomber Jean pop li passé mel li pral et puis prisonnier a ressuscité dans main Jean et Jean dit c'est nan non si là qui gen pour venir après mettre li tout pouvoir comme touché avec corps prisonnier a mes prisonnier a retourné à la vie parce que moun sa qui a vini an y a remettre li toute autorité li gen pouvoir sous la mort. Li gen clé, elle se comprend pour ressusciter moun. À partir de ce moment, Pasteur Jonathan, monsieur yo vexé parce que yo wè Jean ba yo défi, a men konnen te gen un chaudron l'huile qui a bouilli, mais yo dit chauffer du feu à 7 fois plus en bas la gueule. Nan chaudron l'huile là. Yo la gen monsieur même caleçon sous li pa gen sans graisse. Waouh. On a yo pa konn ça pour yo faire avec monsieur. Un, li pa pren nan poison. Deux, li pa pren nan l'huile bouilli. Yo pa di l'huile chaud, non, l'huile bouilli. L'huile bouilli. Ok, amen kounya yo di, seul recours nou genye, l'huile de Patmos. Et serpent sauvage qui pou touye monsieur. Ça, c'est ça, le mérite. Pendant monsieur en écrivé dans l'huile de Patmos, Pasteur Jonathan, amen kounya, monsieur fatigué, li dormi. Pendant le dormi, il y a un ange qui paraît. Il dit, monsieur, on allait. On va voyager dans le ciel là avant pour montrer tout ça qui est pour arriver dans la vie, l'église et l'humanité. Amen, c'est ça que fait. Là, nous avons parlé de Apocalypse, Pasteur Jonathan. Nous parlé de eschatologie. Oui. Pour qui ça nous parle de eschatologie, c'est parce que il y a deux mots, eschatos et logos. Eschatos le dit dernier, logos c'est étude. Ah mais eschatologie c'est une branche dans la théologie qui étudie ça vient pour arriver dans la vie l'église là demain. Ah mais donc c'est ça que fait Jean pral kite à la postérité un livre qui très controversé. Ça que fait livre la controversé, c'est parce que livre la pas gen rapport avec bagaille naturel. Tout ça dans livre là, c'est bagaille ciel lié. Ah mais si c'est bagaille ciel, c'est bagaille l'esprit que lié.
Ah ben, puisque c'est bagaille l'esprit, à partir de ce moment, les on moun besoin qu'on ait qui ça gagne dans livre Apocalypse dans pasteur Jonathan, faut qu'il est capable de dire même Jean avec Jean, parce que dans Apocalypse 1er verset 7 à 9, Jean dit je suis ravi en esprit. Amen. Je suis ravi en esprit. Ça veut dire, il dit, le Saint-Esprit te vole pour al montrer lui, ça gain pour arriver à la postérité de l'Église et la postérité du monde. Alléluia. Donc, c'est ça que faut le livre Apocalypse, non? Lui paraît si difficile parce que ça qui dit dans le livre, pasteur Jonathan, fait problème. Son livre, elle se comprend, l'ordi, Apocalypse, c'est révélation. Qui ça a révélé? Fait connaître des réalités inconnues et cachées. Son livre qui dévie mathématiques. Mathématiques, l'ordi, consacré 6, c'est chiffre pair. Tandis que Apocalypse dit, chiffre, c'est chiffre imparfait, c'est chiffre incomplet, c'est chiffre de l'homme. C'est tellement ce chiffre de l'homme, en même jeune 6, 6, 6, 666, la marque de la bête. Tandis que Apocalypse dit 7, c'est le chiffre complet. Oui. En mathématiques, le monde dit 7, son chiffre imparfait, son chiffre incomplet, son chiffre impair. Tandis que Apocalypse dit 7, c'est chiffre bon Dieu, c'est chiffre de la perfection. Bon Dieu prend 6 jours pour créer toute bagaille, lui reposer le 7e jour. Ça veut dire qu'on ensemble de bagaille qui a dit dans le livre là, si cet esprit pas volé au même gens avec Jean pour l'instruire ou pas cap comprendre yo. Ça veut dire dans le livre là, nous j'ai une couleur blanc qui c'est symbole de la victoire, couleur rouge symbole de la violence, gain cheval rouge, gain cheval blanc. Moi la mer. La mer, c'est pas l'océan, mais c'est le monde. Moi, le dragon. Dragon, c'est pas un animal quadrupède, du fait absolument dans la bouche livrée. Non, c'est l'esprit du mal ou le pouvoir civil, parce que gen moun sous la terre depuis le dit pour mourir ou ap mourir. Oui. Ça, c'est dragon, pouvoir civil. Maintenant, livre nous joignent les bêtes au service du dragon. Les bêtes, ce ne sont pas des animaux, ce sont des hommes qui sont au service du mal, qui sont au service du pouvoir civil. Amen. Donc, nous joignent les bêtes, ce sont des peuples, les nations. Et puis, qu'on est là, pasteur Jonathan, dernier mot, nous joignent le mot Babylone. Babylone veut dire confusion. Amen. C'est ça que fait. Depuis nous lever, nous tendez à dire l'Église catholique. Nous dormons sous moi, mais nous pas jamais regardé dans la Bible pour nous voir est-ce que catholique mentionné. Si l'Église là vrai, non l'Église là c'était catholique. Faut me déjoindre dans la Bible là, parce que c'est lui-même qui première l'Église là. Et pourtant première l'Église là, première non c'est non Babylone. Ah, mais comme Babylone veut dire confusion, c'est lorsque Constantin convertit en 313. Ah, mais qu'on a Constantin pour aller chercher signification mot Babylone. Non, parce que Babel en hébreu veut dire confusion, Babylone en grec veut dire confusion. Ah, mais qu'on a Constantin dit, mais salut là, comment ne faire pas adorer dans l'église qui veut dire confusion? Ah, mais qu'on a Constantin pour aller mettre tête li avec le pape Pie III, qui t'a dirigé l'église là dans l'époque ça, et puis monsieur yo dit nous pas cap non l'église qui veut dire confusion, n'a pas changé nom, n'a pas relé catholique côté jeune catholique là. Les yo li Apocalypse 22, li dit l'église Jésus a venu chercher à son l'église qui sans tache ni ruide ni rien de semblable mais sainte et irrépréhensible. Avec on a yo tout vini avec catholicos qui veut dire pur, immaculé, yo changé nom l'église là, mais vraiment non l'église là, c'est Babylone lié, pasteur Jonathan. Professeur Isaïe Granville, moi ouais, ou tellement font belle râler. M'a demandé moi est-ce que mon yo gen temps écrit, mais avantage que yo gagnen, c'est parce que émission professeur Isaïe Granville, li passé 3 fois pendant jour vendredi a, li passé à 6h du matin, li passé à 2h de l'après-midi et il passé à 10h du soir. Ça pour le permettre tout auditoire là pour le bénéficier de tout ça wap di la yo, parce que les moun yo dragon yo bête yo Babylone,
yo tout bagay sa yo non avec yon l'autre yeux, mais dans émission Évangile et Société, façon que ou détailler ou interpréter moyo pour auditoire là, on croit ça édifier yo et nous gen raison, on est là pour nous capable continuer et travailler et parler de et en programme ça. Donc là on parle de le symbolisme du chiffre 7 dans la Bible. Nous finissons par mise en contexte là et aussi nous parler de qui ça nous entend par la fin des temps, Welly, et pourquoi le chiffre 7 est important pour l'humanité entière qu'on y a là. Et est-ce que vous êtes capable de nous et une bête et une dispensation, est-ce que il va être bon pour être capable de faire un bon râle sur partie ça? Premier bagage que nous besoin connaît auditeur auditrice de la radio Sentinelle, nous prend radio Sentinelle, elle se comprend comme Blue Point là à partir de lui-même toute l'autre radio interconnectée y aurait lié. Eh bien, c'est pas sans raison, non nous non ça Sentinelle là, si on le cherche pas ça dans la Bible. Sentinelle lié Ézéchiel 33. Ézéchiel 33, lui dit Sentinelle là doit dire méchant, elle se comprend pour le sortir dans bagaille qui mal là. Parce que s'il va dire méchant pour le sortir dans sac mal là, qui était méchant, mourir là-dedans, mais c'est lui-même, bon Dieu, qui a demandé nom. Très bien. C'est ça que fait Pasteur Jonathan. Il y a des gens qui mourent, qui va le rendre compte pour nom seulement. Mais il y a des gens qui mourent, qui va le rendre compte pour nom, on l'a trié l'autre monde. Ça dépend de qui position et qui. Une position de responsabilité qui ont été gagnées. Très bien, Pasteur Jonathan. Ah ben, nous soyons sentinelle et pour auditoire capable de bien comprendre, monsieur qui fait dans l'armée, sentinelle là, côté lié, il est toujours piro par rapport à caserne. Li piro, pour qui ça? C'est pour explorer tout panorama, quel que soit côté l'ennemi en absorti, sentinelle la doué well pour alerter soldats qui nan kazen nan administration, nèg qui tap dormi, qui dormi à zam yo botet yo, koul tan de sentinelle la souffler, elle se comprend trompette là ou bien sonner l'ambiant pour le pop pour le prendre zamni pour lever, mais si sentinelle la pa well l'ennemi, li kitel entrer en dan kazen. Li touye un pile soldat sous compte li, y a bay sentinelle là la loi martiale. Définitivement. Donc Pasteur Jonathan, nous les bêtes. La bête c'est pas un animal quadrupède, mais c'est toute personne qui persécute le peuple de Dieu. On appelle bête toute personne qui persécute le peuple de Dieu. Amen. Amen. Pour auditoire, Radio Sentinelle et l'autre radio qui relaye, n'a dit, yon bête, c'est yon moun bon Dieu bay autorité. Au lieu li utilise autorité pour le défendre peuple bon Dieu, mais li utilise autorité pour le persécuter peuple bon Dieu. Ah ben Pasteur Jonathan, même Jean Noël chiffre 7 là, des 7 bêtes qui manifestaient déjà dans l'Ancien Testament à partir du livre de Daniel. Parce que vous connaissez entre Daniel et Apocalypse, des 500 ans de différence. 500 ans. Et Daniel te prend le livre là pour l'interpréter tout. Et l'Éternel qui dit, monsieur, parti sacré dans le livre là, c'est l'île. Pas interpréter le quitter pour y faire dans la fin des temps. Daniel Bach voulait quitter l'eschatologie pour nous. Et bon Dieu qui quitte ton parti dans l'eschatologie pour nous. Ah, mais c'est ça que fait. Livre Daniel, il y a 69 semaines. Elles se comprennent qui passait déjà dans 70 semaines. N'a pas eu libre sous 70e semaine. Donc, son grain de semaine qui était. Donc c'est sous libre nous là. C'est sous libre nous hier. Elle se comprend. N'a parlé du retour de Jésus-Christ la dernière semaine. Yes. Donc bête là, il manifesté dans 7 pays déjà, Pasteur Jonathan. Il manifesté en Égypte. Dans 7 pays. Il manifesté en Égypte. Et puis en Égypte, il prend nom Pharaon. Les Pharaons d'Égypte.
Li manifeste en Assyrie. Li pren nom le elle se comprend en POS Sam Cherib. Li manifeste à Babylone avec les Darius, les Cyrus. Et puis non ça yo pasteur Jonathan. Lord dit yo ce ne sont pas des noms propres de personnes. Donc ce sont des noms de dynastie de rois. Dit les pharaons d'Égypte, moi dit tout pharaon yo net parce que pharaon c'est non dynastie là. L'homme dit Darius c'est non dynastie parce que tu as trois Darius. L'homme dit Cyrus c'est non dynastie, tu as deux Cyrus. On dit Alexandre le Grand en Médo-Perse, la Grèce. Ouais, Alexandre le Grand, la Grèce. Ou homme païen avec les Hérodes. Pasteur Jonathan, tu as gagné au moins 5 Hérodes. Et pour Green Hérodes qui t'a gagné, tu as gagné au moins 5 Hérodes. Ça veut dire, bête là, lui manifesté, Pharaon, Sennacherib, Darius, Cyrus, Alexandre le Grand, Hérode, César, Néron. Ça veut dire que tout gros empereur sa yo pas de jambes vle peuple bon Dieu. Yo gen quatre bagay depuis yo bête yo exercé. Un, yo gen domination absolue sur tout habitant de la terre. Yes. Domination absolue sur tout habitant de la terre. Ah, mais c'est ça que fait jodi en pasteur Jonathan. Même sept la li la toujours parce que nous gen G7. Oh, c'est gros bagay wap di la, oui, G7. Yes, ah ben nan l'ONU, gen 7 grandes puissances, si yo décide pour le monde, fini à soi, yo 7 la met tête chaud ensemble, yo fini à le monde. Wow. Est-ce là? M'la, oui, m'attendre très ça bien. Ça veut dire que, m'gen, cette grande puissance dans l'ONU et puis on bête qui a 7 bête là gain 10 conne pasteur Jonathan mais 10 conne c'est les 10 pays de la CEE. Ça veut dire ça actualise on va actualiser ba yo ben nous là on va détailler pour nous là mais li normal c'est pour nous connaître comment nous chita. Faut que nous connaissons sous qui ça nous chita. Bête là, il y a une domination absolue sur tout habitant de la terre. Il y a un droit de vie et de mort sur tout habitant de la terre. Il fait opposition systématique à Dieu et au vrai culte. Et puis, bête, yo là pour yo renverser des rois ou bien des royaumes qui sont consacrés par le jugement de Dieu. Très bien. Ça veut dire que, pasteur Jonathan, c'est pas si causé que lié, non? Pharaon est souverain en Égypte. Ouais, Sennacherib souverain en Assyrie. Darius nous dit nous gain 3, Cyrus gain 2, le grand fondateur de l'Empire Perse. Est-ce que comprendre? Roi des Mèdes à partir de 556 etc. Alexandre le Grand pour la Grèce. Ouais, Alexandre le Grand, monsieur c'est lui-même qui introduit l'esclavage. Littéralement, est-ce que comprendre? Pas satisfait de territoire grec là, faut qu'il élargisse territoire. Lui c'est petite, elle se comprenne petite Philippe 1. OK papa, il était Philippe 2. Alexandre le Grand vini, il prend Macédoine. Elle dit Macédonien, nous avons été submergés, mais nous n'avons pas été terrassés. On y va, je vous emmène plus loin que mon père vous a amené et même mon grand-père. Amen. Puisque monsieur était soif territoire, les monsieur mourir pasteur Jonathan parce que gon complot fait monsieur mourir. Vous comprennent? Gon complot, yo pral diviser la Grèce en 6 parties et Aristote pral jwenn yo grand parti là-dedans parce que Aristote était le conseiller le plus écouté. Elles se comprennent pas Alexandre le Grand. Ah mais c'est monsieur qui met tête yo ensemble, yo touye monsieur pour yo te ka partager territoire. Après la mort d'Alexandre le Grand, la Grèce partagée en 6 parties. En 6 parties. Ah mais qu'on a au compte qui ça yo mette sous tombe monsieur. Mais épitaphe yo gravé sous tombe monsieur. Yo dit lui à qui le monde entier ne suffisait pas, une tombe lui suffit aujourd'hui. Professeur Isaïe, les m'attendez là et auditoire là dans plusieurs stations de radio,
Radio Espérance, Radio Vision Globale, Radio Télé Quotidien FM de Inch, Radio Vision Globale de Mirbalais, Radio Gamma de Fort Liberté. Le map tando là, moi ouais, émission Évangile et Société a fait un travail extraordinaire et nous venir avec des intervenants qui à la hauteur des tâches là. Parce que, maintenant, de moi, est-ce que tu sauras dire là, yo, tout membre l'église connaît, yo, est-ce que pasteur fait genre d'études ça, yo, aussi détaillé pour frères et sœurs l'église, yo? Et c'est ça que fait, n'a pas encouragé, mon, yo, si par hasard, il y a quelques églises, nous pas déjà pour information ça, yo, yo toujours branché sur Évangile et Société, voilà, ça qui est pour qu'on joigne dans l'église, yo, quand je viens dans Évangile et Société, et ça, on pas joindre dans Évangile et Société, yo ka jwenni en dans l'église là. Mais ça va dire là tout professeur Isaïe, c'est dans Bible jwenn yo ou on fait notre recherche personnelle pour capable éclairer l'antenne nous façon à faire là. Pasteur Jo, premier bagage que nous besoin connaître que la Bible c'est un livre codé. OK. Et puisque la Bible c'est un livre qui codé, ou besoin Saint-Esprit qui pour aider décoder et ou besoin des serviteurs et des servantes que bon Dieu utiliser. Elles se comprennent qui écrit des livres, qui interprétent ça qui est dans la Bible. Parce que les noms à parler, elles se comprennent du symbolisme du chiffre 7, pasteur Jonathan. N'a pas parlé, elles se comprennent des chiffres de la Bible. Mais n'a pas parlé de mathématiques de la Bible. Mathématiques, elles occupent de nombres. Li occupé de chiffres. Mais donc, on, ou cap jenon l'autre monde qui parlait de numérologie. Ça veut dire, je vais parler là, dans la Bible, des mathématiques, tout. Justement parce que chiffre yo, yo pas innocent, pasteur Jonathan. Chaque côté me joine chiffre yo, yo, yo gen on valeur. L'aime joine chiffre 1. Chiffre 1 c'est unité. Ah ben donc si me joine chiffre 2 c'est divinité. Et maintenant les comme ça chiffre 3 pour le démon tout. C'est la trinité. Bon. Chaque chiffre yo, pasteur Jonathan. Pour qui ça nous a besoin qu'on ait yo? C'est parce que nous avons un combat, pasteur Jonathan. Pasteur Jonathan, nous avons un combat spirituel. Mais si nous avons un combat spirituel, et nous entre deux mondes, nous avons un monde spirituel divin, et un monde spirituel satanique. Donc nous avons un combat. Monde qui n'a nombre. Qui n'a, elles se comprennent, monde spirituel satanique là. C'est lui qui vient ensemble avec là. Ou pas, chaque rêve vous fait, ou interpréter rêve là, ou n'a allé dans Tchala, lui joue nos numéros, lui joue comme ça que ou cap je bolette, en ben, et comme ça, oui, Satan, bye mon yo boule bolette. OK. Mais moi-même là moi un chiffre moins doué qu'on est pasteur Jonathan gain 7 dispensations qui passaient. Ah mais moi rete dernière dispensation. Ah mais si m'nan dernière dispensation, m'nan dispensation de l'église. OK. Ah mais 7 dispensations, gain dispensation de l'innocence, dispensation de la conscience, dispensation du gouvernement humain, dispensation de la promesse. Dispensation de la loi, dispensation de la grâce, dispensation du millénaire ou bien le millénium. Amen. Et ça fait m'dou millénium nan, c'est dernière semaine nan, 70e semaine nan. Amen. Okay. Nous sommes avec 7 bêtes, on a gen 7 alliances tout, pasteur Jonathan. 7 alliances. 7 alliances. Alliance en Éden, alliance avec Adam, alliance avec Noé, alliance avec Abraham, alliance avec Moïse, avec une nouvelle alliance, alliance éternelle. Même Jean, où est Jésus sous la croix, lui prononcer 7 paroles. Et pas sans raison, nos chiffres 7 là important. Il y a 7 types de paraboles que Jésus t'a utilisé. D'un côté Jésus fait cette comparaison, d'un côté il parle en proverbe, d'un côté il fait similitude, d'un côté c'est parabole, d'un côté c'est récit exemplaire, d'un côté c'est allégorie, d'un côté c'est geste symbolique. Ça veut dire que chiffre 7 là pasteur Jonathan, lit plein Bible, même Jean, elles se comprennent dans Apocalypse, d'un on lettre qui adressée à 7 l'église de l'Asie mineure, chaque l'église je vous l'ai dit, on bagaille l'homme prend l'église. Elles se comprennent. On prend l'église Éphèse. Éphèse veut dire désirable. Ah, mais qui l'église? L'église apostolique, première, l'église qui t'a prêché l'évangile là.
qui temps qui réservé pour l'église ça entre l'an 33 à l'an 100 après ça me braler dans l'église de Smyrne. Smyrne veut dire parfumé quand écrasé. Ouais, il écrasé mais il parfumé. Ah mais c'est l'église persécutée. L'église qui persécutait entre l'an 100 à 313. L'église de Pergame. Pergame veut dire la ville exaltée. Ah mais c'est l'église du compromis. Ouais, l'église de Thyatire, odeur des œuvres. Ah mais l'église des ténèbres, odeur des œuvres, l'église des ténèbres. L'église de Sade, ce qui reste. Ah mais l'église de la Réforme. L'église de la Réforme 1517-1755. Et puis Philadelphie, amour fraternel. Ah mais c'est l'église du réveil. L'église du réveil. Et puis Laodicée. Ouais, Laodicée. Laos veut dire peuple. Dicée veut dire jugement. Ah mais son l'église qui chita sous dictée peuple. Jodia, où joignons l'église côté pasteur, li peu mounio parce que y a belle offrande. Est-ce qu'on prenne gros dîme, mounio fait des ordres, li pas jamais occupé yo. Ah mais pasteur Jonathan, il y a 7 piliers de la foi chrétienne. Les 7 piliers de la foi chrétienne. Un seul corps, premier pilier, un seul esprit, une seule espérance, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous et en tous. Ça veut dire, pasteur Jonathan, chiffre 7 là, est tellement important pour nous. Est-ce que nous connaissons le chiffre 7, pasteur Jonathan? C'est le chiffre de l'inspiration des Écritures. L'incontournable. Le chiffre 7 est tellement incontournable, c'est le chiffre de l'inspiration des Écritures. Ça veut dire que 7, c'est chiffre inspiration des Écritures. Ça veut dire, m'a rappelé que mot inspiration, hein, pasteur Jonathan, l'ena le dictionnaire biblique là, la petite consacrée dans le grec là, lui dit inspiré, c'est ce que Dieu a expiré. Nous inspirons, nous laissons rentrer en nous ce qui est sorti de Dieu. C'est ce que Dieu a expiré qui rentre en nous. Voilà pourquoi, elles se comprennent, la Bible est inhérente. La Bible, son livre qui est inspiré. Parce que, et ça fait nous dit, pas d'une Bible a gagné 40 auteurs. La Bible n'a pas 40 auteurs. La Bible n'a qu'un seul auteur, le Saint-Esprit, Dieu. Tandis que la Bible gagne 40. Tandis que la Bible, pasteur Jonathan, li gagne, elle se comprenne, 40 transcripteurs, 40 hommes auxquels Dieu a dit, prenez vos plumes et écrivez. Amen. Ça veut dire que m'paka dit la Bible gagne, elle se comprenne 40 auteurs. Ah mais 7 là c'est chiffre inspiration de l'écriture. Ah mais c'est ça que fait écriture vient gagne deux phases pasteur Jonathan, logos, tout monde wel, tout monde a essayé interpréter grâce à intelligence charnelle parce que l'école c'est ça yo apprendre nous. Mais deuxième phase là c'est rhéma. Bon Dieu communiquer sens spirituel logos là à serviteur ak servante liyo. Voilà pourquoi nous devons passer du logos au rhéma parce que logos c'est la parole écrite, rhéma c'est la parole inspirée, c'est-à-dire révélée. Donc chiffre 7 là pasteur Jo, il est vraiment incontournable. Est-ce qu'on comprend? Bon, on pas même rivé sous 7 je suis que Jésus prononcé. Les 7 je suis pro, est-ce qu'on comprend proclamant la divinité de Jésus. 7 je suis qui proclamait divinité. Jésus dit je suis le pain de vie. Jean 6 35. Je suis la lumière du monde. Jean 8 12. Je suis la porte, Jean 17. Je suis le bon berger, Jean 10, 11. Je suis la résurrection et la vie, Jean 11, 25. Je suis le chemin, la vérité et la vie, Jean 14, 6. Je suis le vrai 7, Jean 15, 1er. Ça veut dire, pasteur Jonathan, chiffre 7 là, lit incontournable. Et le chiffre 7, pasteur Jonathan, je ne vais pas quitter ça, aller sous silence. Ma bonne baoule, et puis pour nous camper, pour nous poser l'autre question. Le chiffre 7, c'est le chiffre de la glorification de Dieu.
Amen. C'est le chiffre de la glorification de Dieu. Ça, ça veut dire, c'est le chiffre du repos. C'est le chiffre du repos, ce qui est complet, ce qui est achevé, ce qui est accompli. Dieu s'est reposé le septième jour, pas parce qu'il était fatigué, c'est parce qu'il a terminé son œuvre. Travail était bien pour le faire, était fini. Mais le septième jour était le jour du repos que nous relais sabbat. Mais dans le contexte repos, il n'y pas signifie arrêter physiquement de travailler. Et si c'en est le cas, il est valable seulement pour l'homme. C'est l'homme qui a de l'eau, qui a zo, qui a sang dans le col, qui fait exercice, même lui est fatigué, mais lui est obligé de baigner, le font coucher. Mais bon Dieu, lui pas de zo, lui pas de l'eau, lui pas de donc lui pas fatigué. Donc on va pomper là, on va bailler gaz là, on va sur express way là. Donc, si je ne peux pas faire un frein là, je ne peux pas camper. Regardez, ça que je suis là, et l'émission ça, et pour moi-même, c'est commencer, nous commencer là, et nous avons venu avec un pilote donné toujours sur le livre Apocalypse là. Mais avant de terminer, dans environ 6 à 7 minutes qui étaient nous là. Et pour la fin des temps, un peu de monde a parlé de Marc de la Bête. Qui ça pour un monde fait pour échapper en bas Marc de la Bête là? Il est fini. Est-ce que son bagage a venu vrai? Là, il a parlé de la fin des temps, il a parlé de Marc de la Bête. Il y a un monde qui dit nous la donne déjà. Il y a un monde qui dit qu'on puisse y mettre dans comme monde qu'on est là, c'est lui-même. Qui sont cadés dans 5 minutes sur ça parce que le temps va priver là sur nous. Il faut nous terminer dans 6 à 7 minutes. Ok, pasteur Jonathan, si un Marc. Apocalypse 5, verset 1 à 14, il parlait de 7 sceaux. Tout ça nous fait pour nous authentifier, nous sceller le bavard. Mais c'est ça que fait. Dans la Bible, nous ne parlons pas de testament, mais nous parlons de alliance. Testament sont mots juridiques. Nous avons trois types de testaments ou même qui sont maîtres en droit. Nous jouons un testament, elles se comprennent? Oui, un testament authentique. Un testament authentique, malaka yon notaire m'fèl. Authentique, pas vrai? Ok. Moi, j'ouen un autre testament qui relè holographe. M'sita la kay mouen, m'pon mousso papier, mouen écrit bien mieux là-dedans. Et puis, je fais une flèche, je mets mon petit monde de côté, je ploie mon sopapia, je vais sous Galata Kaila. Yes. Mais ça, c'est un holographe. Mais le testament qui est le testament mythique. Testament mystique, là, c'est qui ça lié? C'est moi-même qui écris testament et puis moi bien. Fermer enveloppe là, me porter le bail notaire là, me dire ça c'est testament stérile pour moi. Ça veut dire que tout testament li scellé pour l'authentique faut gonso. Pour mon Dieu, faut qu'on gonso mon Dieu. Alléluia. Qui c'est le Saint-Esprit. Pour Satan, faut qu'on gonso Satan qui c'est 666. Donc, dans le fin temps, pasteur Jonathan, il y a deux marques qui prennent le gourmet. Il y a le Saint-Esprit comme Sobondier et 666 comme marque de la Bête. Et comment peut-on jouer un Saint-Esprit à professeur Isaïe dans deux minutes qui étaient là pour nous taguer en bas tous deux? Pasteur Jonathan, comment jouer un Saint-Esprit à? Moi, je dois recevoir Christ comme sauveur personnellement. Dans 1er 12, à tous ceux qui l'ont reçu. À ceux qui croient en ton nom, elle a donné le pouvoir de devenir, enfant de Dieu. Et puis, on connaît Zach Bella, pasteur Jonathan. On ne peut pas devenir ce que l'on a été. Exactement. Donc, vous pas de petite. Si vous avez une petite, c'est parce que vous n'avez pas de petite. Amen. Si vous n'avez pas de petite, qui est tenté de votre petite? Ou êtes dans l'état créature là. Très bien. Et dès lors, vous venez recevoir Christ comme sauveur personnel ou kounien, elles se comprennent. Ou valider. Ou valider comment? Eh bien, pasteur Jonathan, où les nous gain doit faire? Est-ce qu'on comprend yon l'autre évangile et société sous sa nourrir la marche vers la perfection?
Amen. On marche vers la perfection qui a quatre pas. L'adoption, la justification, la sanctification, okay? Et la consécration. Très bien. Très bien. Pour jouer préparer la prochaine émission. Et pour jouer Mac Chris là, pasteur Jonathan. Amen. Mm-hmm. Donc c'est ça pour lier. Et avantage ou gagner, c'est que ou pas recevoir tous les deux. Depuis ou getan gagner Saint-Esprit qui c'est so bon Dieu avec Jésus-Christ sou ou va accepter pour yon couper tête ou mon pape jambe prend 666 là. Alléluia. Amen. Kounia pour chrétien qui attend de nous yo, démonstration nous est qu'a fait dans le monde jodi an, nous met poser nous parce que les Christ pral vini, Jean travail ça yo pral fait là et pas ça nous est là. 666 là et pas 36 lié parce que Jonathan. Oui, oui. Et pas 666 non lié. Et pas ça lié. Parce que Jonathan si Macbeth là te 666. Mais tout le monde a couru quitter. OK, non, mais qui ça lié? Parce que Jonathan son système lié. Ah bon. Et ça on va pas bien on va pas bien expliquer non. Retour une minute. Une minute pour nous finir là. Pasteur Jonathan Macbeth là, c'est un système qui est lié même Jean, yo prend yon seringue, yo lagué un petit goutte sang en dedans qui ça cœur a fait roli. C'est prend sang, attrape li pour épurer, après ça pour transférer dans artère, ça crée fait là. Amen, tout système là net vin joine. Son système li. Si était ou mal, si un pile monde ta courir quitter, c'est quand on connaît ou pas cap courir quitter. Ah bon? Ah ben c'est ça que fait jodia. Même moun ki a fait tatouage, en bas tatouage nan, yo mette yon code ki gen 666. Ah mais donc les grands stars du monde, gen kote yo pa passe target sou yo, parce que yo tout gen mak yo. Depuis yo vini, yo identifié par rapport à système. Est-ce comprenn ki établi soit nan market la, nan disco wa, parce que li gen mak la déjà. Les grands donateurs du Vatican, yo gen déjà pasteur Jonathan. Afin plus électronique ou wè yo a parlé a si c'était con ça Macbeth la téye moun ta pou kite l non son système lié parce que on pral pran Macbeth la sou front c'est symbole de l'intelligence y a gen contrôle intelligence ou wè pran sou main droite ou main droite quand c'est la main d'association ou ben la main d'association son système lié pasteur Jonathan. OK professeur, la fin des temps. Et Mac de la Bête, je pensais que nous avons plus pour nous dire sur nos prochaines émissions, mais vraiment, nous arrivons dans un moment pour nous capables, et pas ralentir seulement, c'est stopper, parce que je crois que l'auditoire qui t'attend de nous sur Radio Gamma, Fort Liberté, Radio Vision Globale, Mien Ballet, Radio Télé Quotidien de Inch, Radio Espérance de Atlanta, Georgia, Radio Montréal, sur l'église sur le rocher de Montréal, Canada, je crois que toute radio ça yo qui t'a relayé nous, yo édifié, tout auditoire là édifié et n'a venir encore très prochainement avec un autre numéro pour nous capables et présenter dans niveau évangile et société pour édification auditoire là. Nous remercier maître Steph Evry, nous remercier frère Auguste et toute l'autre même équipe là qui t'a facilité numéro évangile et société là. Professeur Isaïe Granville, sous ta gagne, on vous dit dans 10 secondes. Qui ça t'a pied pour nous mettre fin? Malachi 4, verset 1 et 2. Car voici, le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, si l'Éternel des armées. Et il ne leur laissera ni racine, ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Que bon Dieu bénisse. Amen. Je n'ai point honte de l'évangile, car c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Vous pouvez brûler, écrire dans 32-19-01-71. Invitez-nous aujourd'hui à ce professeur Isaïe Granville. Et présentateur émission, c'est pasteur
Jonathan Joseph. Que bon Dieu bénisse, restez en bas grâce là. Haïti pas péri, la fin des temps arrive, c'est vrai, mais Haïti vient pour lever avant Christ retourner. Que le Seigneur vous bénisse. Merci.